Nous sommes en direct avec Jean-Louis, président et fondateur de l'association ASTEC. Alors j'ai dit les lettres, hein, mais tu vas nous dire, on va se dire tu pendant cet échange, Jean-Louis, pour nous parler un peu de nous présenter cette association qui est en Pic-Saint-Loup, si j'ai bien tout compris. Exactement. L'association s'appelle l'Association des Amis des sciences de la Terre et du Climat en Pic-Saint-Loup. Ah oui. C'est le nom, c'est la signification des lettres aztèques que tu as mentionné D'accord. tout à l'heure. Et alors, cette association, elle a quoi comme objectif et comme but principal? Son but, c'est d'abord de diffuser une information scientifique robuste, validée, claire, compréhensible par tous sur les questions du climat, du changement climatique, mais aussi de l'érosion de la biodiversité et de tous les impacts de ces différentes situations sur l'alimentation, la santé, l'environnement en général. Alors, on va parler aussi de cet événement, hein, le Festival Planète Vivante, Fête de la Science, avec cette belle affiche qui a été réalisée, qui va avoir lieu à Saint-Gély-du-Fesc. Donc, pour situer un petit peu Saint-Gély-du-Fesc, c'est relativement facile, c'est pas très loin de Montpellier aussi. 4 à 5 km au nord de Montpellier, oui. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer? Parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, ça veut dire des scientifiques qui vont expliquer certaines choses de façon à ce que ça soit entendu par tout le monde et pas dans un langage scientifique. Ça, c'est très important parce que Dieu sait que les scientifiques, entre eux, peuvent parler un certain langage qui n'est pas audible par la personne lambda. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas le premier festival, c'est la troisième édition de ce festival. Et en plus de cette activité qui a lieu une fois par an pendant la période de la fête de la science, c'est-à-dire à la mi-octobre, nous organisons chaque mois depuis 3 ans pratiquement des conférences mensuelles, toujours par des scientifiques de très haut niveau, français, européens, et qui abordent différents sujets. On en trouve la liste sur notre site internet pour toute les plus de 25 conférences qui ont déjà été données. Et pendant le festival, on va se concentrer sur une thématique particulière. Cette année, le thème, c'est celui de l'océan. Et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui patronne la Fête de la Science, a donné ce titre générique, Océan de savoir. Donc D'accord. on s'est inscrit dans cette problématique-là, ce qui ne pose pas pour moi beaucoup de problèmes, puisque je me suis occupé dans ma vie professionnelle d'océanographie, d'océanographie spatiale et aussi d'océanographie à la mer, en ayant travaillé au Centre national d'études spatiales et à l'IFREMER. Donc c'est vraiment une thématique qui m'est chère. Les gens qui nous écoutent à ce moment-là bien précis, ils peuvent se dire que c'est peut-être que cette manifestation est vouée à plus ou moins des professionnels du climat, des choses comme ça. Pas du tout. Je vois que pour la troisième édition du festival, il y a quand même, bon, il y a des conférences, des spectacles, des animations en plein air, des ateliers pour enfants et adolescents, des expositions. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Donc, ça veut dire que c'est vraiment ouvert à un large public. Oui, d'ailleurs, chaque année, les 2 années précédentes, nous avons recueilli environ 350 personnes chaque jour. Et il n'y a pas 350 scientifiques qui sont venus, hein. Il y en a peut-être une demi-douzaine dans l'ensemble du public. Le public, c'est le public de monsieur et madame tout le monde et leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui est fait justement? Puisque là, on va parler, il y aura des conférences, hein, avec des scientifiques, bien sûr, des films. En tout cas, un film sera projeté par rapport à ce réchauffement des océans. Qu'est-ce que votre association va pouvoir mettre en place ou va pouvoir faire pour faire en sorte que, alors je vais prendre le truc très très haut, les océans ne se réchauffent plus? Ah bon? Non, mais c'est. On en parle tout le temps, hein, mais au bout d'un En moment parle donné, beaucoup. on se dit quand même, au bout d'un moment donné, quand on a mal quelque part, on prend un aspirine. Et puis là, la planète a mal, mais on ne voit pas exactement qu'est-ce qui peut être fait pour faire en sorte qu'elle se porte mieux, en concret. Oui, alors en concret, la première chose que l'humanité, l'ensemble des pays du monde devrait s'accorder à faire, et c'est ce qui est recommandé depuis des années par l'ensemble des scientifiques, c'est de réduire la cause de ces problèmes et qui ne se limite pas au réchauffement. Pour ce qui concerne l'océan, il y a un réchauffement, mais il y a aussi l'accumulation de chaleur qui s'y
déroule de manière invisible et qui va mettre des années et des années à ressortir cette chaleur qui est captée à l'intérieur des océans pour être rediffusée dans l'ensemble de l'atmosphère. De sorte qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère là où nous vivons, nous n'avons qu'une partie limitée de l'effet. Mais il y a beaucoup d'autres choses que le réchauffement qui affectent aussi naturellement les zones polaires et l'eau qui est piégée sous forme de glace dans ces régions. Il y a aussi l'acidification de l'océan parce que le gaz carbonique qui est émis par les activités humaines, par la combustion du gaz, du pétrole et du charbon, ce gaz il se dissout en partie dans l'océan et ça acidifie l'eau des océans, ce qui est très fâcheux pour la vie marine en général. Le film que nous verrons demain soir, qui sera projeté sur la scène en Grand Pic Saint-Loup, à Saint-Gély, s'appelle « L'océan vu du cœur ». Il a été patronné par un grand nombre de scientifiques, dont le regretté Hubert Reeves, qui est décédé à peu près au moment où le film est sorti. Et donc, ce film s'intéresse avant tout aux impacts sur l'océan, sur la vie marine, sur les coraux, sur les poissons, sur la végétation, etc., etc., et donnera au public une idée de comment le vivant à l'intérieur de l'océan, dont nous sommes très largement dépendants, subit, disons, les différents impacts du réchauffement climatique. Et puis il y aura une invitée plutôt fort sympathique, qui est très connue dans la région, c'est le petit déjeuner avec Marie-Pierre Puech, vétérinaire fondatrice de l'hôpital pour la faune sauvage qui est situé à La Roque. Là aussi, c'était important parce que je dis que c'est une tête d'affiche, mais c'est vrai qu'elle est très connue, ne serait-ce pour les actions qu'elle mène et pour sa... Elle ne tient pas sa langue dans sa bouche, elle dit les choses comme elle les pense. Oui, nous tenons à une manifestation un peu originale dans ce festival qui ne se borne pas à des conférences, des ateliers, des animations, du théâtre, de la danse, de la musique, tout ça. Mais il y a aussi la rencontre en tête à tête, si on peut dire, avec des personnalités assez éminentes. On a eu deux astronautes et un théologien historien des sciences dans les festivals précédents. Cette fois-ci, c'est Marie-Pierre Puech donc, qui participera à un petit déjeuner auxquels les gens doivent s'inscrire. On accepte 25 personnes le samedi matin et le dimanche matin, et c'est toujours l'occasion d'échanges absolument fascinants dont tous les gens, tout le public ressort enchanté d'avoir pu, et même en regrettant que ça ait été aussi court, une heure et demie. Eh oui, non mais bien sûr, après ce sont des sujets qui sont tellement intéressants. Alors je l'ai dit, hein, c'est gratuit pour tout le monde, à part, il faut le dire quand même, certains spectacles comme du théâtre qui est à participation, une moyenne entre 15 €, quelque chose comme ça. C'est le prix maximum 15 €, 10 € pour les personnes qui disposent de la carte PASPIC, qui est très répandue dans la région, et puis pour le spectacle de théâtre, il est gratuit pour les moins de 18 ans. Alors, c'est normal, si vous voulez, autant les activités dans la journée sont essentiellement animées par des bénévoles ou par certains professionnels, par exemple l'improconf, qui est un spectacle qui est proposé pour la troisième année par la compagnie du Capitaine, qui est une compagnie locale, bien connue, et dont le leader est Julien Mazdois, que les gens connaissent bien par sa participation à différents feuilletons. Mais ces spectacles-là sont intégrés, disons, dans le corps du programme. Par contre, les spectacles du soir font appel à des troupes, soit de comédiens, soit des musiciens, qui coûtent cher et qu'on ne peut pas assurer leur présence sans un minimum de recettes. Il y a donc des billetteries pour ces deux spectacles. D'une part, du théâtre Le Monde du Silence Gueule, qui est un spectacle de stand-up qui donne la parole aux animaux et aux plantes qui vivent dans l'océan. Et donc, on aura une autre manière d'illustrer ce qu'on aura vu dans le film de jeudi soir. Ça, c'est vendredi 11 octobre. Et samedi, nous aurons un spectacle assez original qui avait été développé dans le cadre de Montpellier 2028, qui s'appelle « Les quatre saisons de l'univers ». Dans un petit festival précédent l'année dernière, nous avions accueilli la première représentation, le printemps. C'était à Viol-le-Fort, Vion-la-Laval, et tous les gens qui avaient assisté
à cette représentation en plein air dans laquelle il y a un astrophysicien qui parle des différentes étapes de la création de l'univers et qui est accompagné par des séquences musicales composées par Arnaud Lemeur et ses complices. Et c'est quelque chose qui était absolument fascinant sous le ciel du printemps. Cette fois-ci, c'est l'automne que nous aurons ici, et ça sera dans la Seine en Grand Pic-Saint-Loup. On espère que le temps à l'extérieur permettra aussi des observations astronomiques à la fin du spectacle. En tout cas, tout un programme. Je vous rappelle que ça dure, c'est du 10 au 13. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas, nous, en termes de temps et de timing, vous dévoiler toute la programmation qui est très, très riche. Mais pour ça, il vous suffit d'aller sur le site de l'ASTEC directement. Vous avez toute la programmation. On va rappeler juste que ça se situe, le festival, à Saint-Gély-du-Fesc, plus exactement où? Alors, ça se situe dans la Seine en Grand Pic-Saint-Loup. C'est une salle culturelle intercommunale qui a été inaugurée en avril 2023 et qui, pour la deuxième fois, accueille notre festival. L'année précédente, nous étions sous un chapiteau. Il faut dire aussi que parmi les ateliers et autres animations présentes, il y a le spatiobus du CNES, du Centre national d'études spatiales. C'est un véhicule spécialement aménagé par le CNES pour mettre de la science et notamment de la science spatiale, mais pas seulement à la portée des enfants, des adolescents. Et c'est quelque chose qui avait énormément plu aux enfants lors du premier festival en 2022, où il avait été l'hôte de notre ville. Et il revient cette année encore. Il sera avec les collégiens du collège Alain Savary à Saint-Mathieu-de-Trévières pendant les deux prochains jours, jeudi et vendredi, et samedi dimanche, il animera des activités autour du thème de l'océan lui aussi, pour la plus grande joie des petits et des grands. Parfait, Jean-Louis, je vous rappelle, c'est là le Festival de la Planète Vivante, c'est du 10 au 13 octobre, avec l'Association des Amis des Sciences de la Terre et du Climat en Pic-Saint-Loup. Si vous aimez cet événement, si vous voulez leur faire gagner, notamment à Jean-Louis qui est le président et le fondateur de l'association, il vous suffit de taper en haut à droite le chiffre 1 que vous voyez. Et si vous atteignez le nombre de votes qui est de 30, eh bien effectivement, nous enverrons une équipe de télé directement sur place pour offrir le reportage à l'association. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci, Willy.